Bonjour les belles âmes. On se retrouve pour la carte du jour. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors la carte qui est sortie pour aujourd'hui, c'est le veilleur, protection, puissance. Symbolique de l'ange, eh bien l'ange veille sur l'âme. C'est l'ange gardien des limites, toujours en éveil. Et il s'active lorsque notre âme est en situation de danger. Il représente la capacité combative de nos anges protecteurs, agissant grâce à la force aimante et protectrice, pardon, de la lumière. Les vagues dans l'ombre évoquent un risque sur le plan de l'incarnation et concernent tout particulièrement les relations humaine. Son énergie, c'est une énergie très puissante qui délite les peurs et renforce les capacités à faire face. Cette énergie est symbolisée dans la religion chrétienne par Saint Georges. Vous savez, Saint Georges terrassant le dragon. Le message, c'est « Viens près de moi, je te protège. » Et le sens du message, je sais combien ton chemin est pénible, parfois les dangers nombreux, et qu'il est difficile d'y voir clair. Ma puissance est là pour toi, pour te soutenir. Alors, viens dans ma lumière, pose ta main sur mon sceptre, et ton âme sera protégée. Le sens. Si le veilleur se présente à vous en réponse à une question, il est probable que vous soyez actuellement fragilisé dans votre vie relationnelle ou matérielle par des circonstances extérieures qui vous déstabilisent au-delà de vos capacités à faire face. Ça peut être d'un choc émotionnel, une difficulté de vie trop importante ou trop répétitive, cumul de frustration, violence psychologique. Peut-être manquez-vous aussi d'écoute et de réelle empathie de la part de votre entourage, ce qui a agi de manière insidieuse en vous isolant et en renforçant la peur en vous. Il en découle du doute, de la culpabilité, une perte de confiance et de repères. En acceptant de vous relier à l'énergie de cet ange, du veilleur, vous allez recevoir de l'aide pour vous recentrer, sortir de la confusion, atténuer vos peurs, afin de trouver un chemin de décision et d'action juste. Si vous n'aviez pas de questions, eh bien, le veilleur se présente pour vous inviter à aider une personne de votre entourage qui traverse des difficultés. Visualisez-la, baignant dans la lumière émise par son sceptre, et faites un effort d'écoute et d'empathie à son égard. Et pour la réflexion, parfois ces attaques ne proviennent pas de l'extérieur, mais se jouent à l'intérieur de nous, contre nous-mêmes, comme si nous étions notre propre ennemi. Ce sont nos peurs et elles dirigent beaucoup de nos actes. Elles sont l'expression de schémas psychologiques très puissants, intégrés dans l'enfance et qui peuvent s'avérer par la suite inadéquats. Si la plupart d'entre nous arrivent à les dépasser, ensuite, ces schémas peuvent se réactiver lors des périodes de fragilité. Il est possible alors de sentir obscurément que nos décisions sont dictées par ces peurs, mais il nous manque la force. Cette force nécessaire pour les dépasser et trouver une réponse plus juste. Le seul moyen de s'en libérer
et de se sentir épaulé. Relié, soit avec une personne de confiance non jugeante, n'est-ce pas, non manipulatrice, soit, comme ici, par une énergie spirituelle. Alors, les pistes d'action possibles, eh bien, vous pouvez méditer en vous, imaginant avec la main posée sur le spectre de l'ange, et puis les ondes lumineuses qu'il émet vous enveloppent. Une fois l'image visualisée, ne cherchez pas à capturer la lumière, laissez-la faire son travail, même si vous ne la voyez plus. Et essayez de refaire la séance de cette méditation chaque fois que vous sentez un malaise intérieur vous envahir. Limitez autant que possible dans votre vie quotidienne, eh bien, vos jugements culpabilisants, annulant vos critiques acerbes ou vos moqueries ironiques, lequel active l'agressivité ambiante, n'est-ce pas? Il vaut mieux lire le monde avec un regard constructif, responsable et bienveillant, même s'il existera toujours des gens pour vous traiter de doux rêveurs. Belle journée à vous et douces pensées angéliques.